Denis, bon, aujourd'hui, petit entretien sur l'huile de lit. Je vais faire la vidange, donc changement des filtres avec. Donc pour ça, je fais un petit tuto si ça peut aider des gens, on sait jamais. Hein. Donc pour ça, moi je vais utiliser le bac de récupération d'huile. L'huile, on m'a conseillé de la 10-40. Donc la contenance, je crois que qu'on doit mettre à peu près 6 litres, 6 litres 5 dans le moteur si je dis pas de bêtises. Donc le filtre à huile, filtre à essence. Et donc pour desserrer le bouchon de vidange, une douille de 17. Pour desserrer la capsule du filtre à huile, vu que moi j'ai pas de douille, j'ai utilisé une pince. Bon, il n'est pas très serré, hein. J'ai retiré bien sûr la boîte à air pour pouvoir avoir un peu plus d'accès. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Donc le bouchon de vidange, il se trouve ici. Voilà, une douille de 17. N'oubliez pas d'ouvrir le bouchon de remplissage. Ça coule toujours mieux. Voilà. Et donc là on va placer tout et puis on va la laisser pisser un peu. Donc là le bouchon est à retirer. Le vidange est en train de se faire. En attendant, on va démonter le filtre à huile et changer ça. Voilà, le filtre est retiré. Donc là, une fois que vous avez démonté la capsule, vous avez juste à tirer sur le filtre et il vient tout seul. Donc moi j'ai acheté un filtre, les deux, filtre à essence et filtre à huile Bosch. C'est pas très cher, hein. Ils fournissent les joints qui vont avec. Donc là il y a un petit joint en cuivre. Je pense que c'est pour le bouchon de vidange, puisque j'en vois pas ailleurs. Donc là le joint il vient ici, donc on va le retirer, on va le changer, on va remettre le nouveau filtre et on va attendre qu'elle ait fini de couler pour ensuite remettre son nouvelle huile. Ça, à la clé, surtout ne pas le serrer trop fort, bien éclaircir. Voilà, là qu'elle a fini, on va recharger le poêle. On va aller rechercher ça. On va remettre le bouchon et bien remplir. Surtout, n'oubliez pas de faire la vidange moteur à chaud. Que l'huile soit bien fluide. Donc voilà, je remets ça et on se retrouve pour le remplissage. Ouais, c'est le moment du remplissage, on va pas en foutre partout. Ce que je vais faire, moi j'ouvre un peu la jauge. Voilà, comme ça, ça va bien couler. Donc là les amis, je vais essayer de bien vous montrer. Donc là sur la jauge, moi je l'ai bien nettoyé en mettant un frein avant de le replonger dans l'huile propre. Au moins je serai sûr pour mon niveau d'huile. Donc là ici, bon, vous voyez un peu mal, mais j'essaye de vous faire focus. Donc là, la première encoche juste ici, c'est le niveau mini. Celui-là, c'est le niveau maxi. Donc à vous de remplir et puis surtout bien vérifier en allant votre niveau. Donc
là, le temps que l'huile coule entièrement dans le moteur, on va regarder, bon, même si là, la voiture n'est pas droite, mais le niveau est presque fini. Il faudra juste que je mette le contact pour que ça remplisse le filtre à huile. Et on sera bon. Là, on va regarder le filtre à essence qui est juste ici, en fait. Il est en dessous de la voiture, côté conducteur. Et donc, là, il y aura un collier juste ici à desserrer pour retirer la durite. Surtout, repérez bien dans quel sens vous le démontez. Parce qu'il y a une flèche. Là, juste là, il y a une petite vis. Voilà. Pour le collier. Et là-bas, un petit collier pour la durite. Et normalement, bah, c'est tout. Allez, on change ça et c'est bientôt fini. Donc voilà, la 5 filtre est sorti. Donc ça va tout seul. Hein. J'ai retiré les deux colliers qu'on a vus ensemble. Moi, j'ai juste retiré, vous voyez ici, la petite plaque qui tenait les tuyaux pour en décaler un. Comme ça, c'est sorti. Et donc au final, comme je vous ai dit, bien faire attention, parce qu'il y a une flèche, on voit sur lui. Donc là, il y a une flèche. C'est-à-dire que ça part du réservoir pour aller jusqu'au moteur. Donc la flèche devrait être comme ça. Vers le devant, vous voyez. Donc voilà, on va remonter ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster le niveau, parce que maintenant que le filtre à huile a été changé, il faut le remplir. Voilà, donc là, on est au mini. Encore un petit peu. Et on sera bon. Donc voilà les amis, la vidange est finie, donc j'espère que ça vous aura aidé. C'est des petits tutos pratiques, sympas, c'est pas très dur. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut.